Et yo tout le monde, c'est John Football. On s'entoure pour une toute nouvelle vidéo. Non, je rigole. C'est entre le match entre Toulouse et Monaco. Voilà. Je le redis, ils ont fait pas mal de recrues aussi. Voilà. Ils ont fait quand même pas mal d'Osevi à Iseka. Je crois Kratel, René, Bostock. Et Fiti encore. Je sais pas. Ouais, je crois que c'est assez. Je crois que c'est comme ça. Et Monaco. Aussi on fait pas mal de transferts comme Pareka, Colovin, Grandia, Chadli, on a plein Apin qui doit avoir, je crois que lui ça va être un bon joueur ça. Ah non, j'ai cru. Ouais peut-être pour plus tard. Pour moi, on espère un gros match entre Toulouse et Monaco, on espère beaucoup d'action. Comme le match entre Montpellier et Strasbourg, on espère le même match, ça me ferait plaisir. On espère une victoire en une des deux équipes. Et on est parti pour le match entre Toulouse et Monaco. Et je vous dis, let's go! Et c'est parti! Ouais, petit entraînement, pas besoin de le faire, ils sont pas intéressants. Et on est parti pour le match entre Toulouse et Monaco au stadium de Toulouse, les amis. Voilà, c'est le match. C'est la rencontre dans ce match. Ah, le joueur qui est... Voilà, là, le fanon de Toulouse, les supporters. Qui le montre. Magnifique. Fagnon. Et René Zika, c'est un très bon joueur. Je vois aussi Falcao. Voilà le Colombien. Il joue à la Coupe du Monde qui a fait un très beau match. J'ai regardé ça. Et c'est la compétition de Toulouse, les amis. Avec Aaron, Iseka, Somalia, Kradel, Sankaré, Djormaz, Tosevi, Amiens, Chop, Julien, Silla et Baptiste René. Voilà, les joueurs de Toulouse qui vont jouer. J'espère qu'Aaron, Iseka qui mettra des buts. C'est vrai qu'il fait pas mal de matchs. Pas mal de matchs, il fait des bons matchs. Il a la conscience de Monaco. Avec Falcao, Tchelmans, Lopez, Chadli, Colovin, Grand Sir, Sidibé, Click, Jemerson, Barleka et Tenaglio, les amis. Voilà, c'est pas moi qui joue encore, c'est le jeu. Moi, je commente. Moi, c'est ce que j'aime bien parce que si je joue, je gagne trop facilement. Et pour moi, c'est pas intéressant. Pour moi, c'est ce que je voulais faire, c'est commenter les matchs de foot et vous les présenter. On est parti pour le match entre tous les Monaco. Et je vous dis, let's go, les amis, c'est parti pour le match. Et on pousse cette manette. Vraiment pour un coup. Avec Barreca. Ou Tchelmaz. Ou Tchelmaz. Faute. Ah, première faute à la deuxième minute. Ok. Couvrant pour Monaco. Ça tirait pas. Tchelmaz. Tchelmaz qui frappe. Oh, l'arrêt. Oh, la frappe était extraordinaire. Oh, ce serait un but extraordinaire aussi. Oh, mais regardez cette frappe. Oh, je veux la revoir. Oh la vache, mais regardez cette frappe. Et là, l'arrêt. Mais il s'étend bien le gardien. Ouais, mais ce gardien est aussi exceptionnel. Vraiment très bien joué au-delà. Moi, je les applaudis. Bien joué. Corner pour Monaco. Colovin. Oh, l'arrêt de René. Bien joué. On a quand même une grosse tentative de Tchelmaz. Kradel. Julien, Djormaz, Aaron Iseka, Somalia, Colovin, Grand Sir, Chadli, Falcao, Tchelmaz, qui passe en provenance pour Grand Sir, très bien joué, Grand Sir qui centre, repris par Somalia, pour le tac mieux repris, bien joué, avec Mathieu Dosevi, un mauvais espace de Mathieu Dosevi.
Barrica. Qui passe au ventre pour Tielemans. Tielemans. Tielemans qui passe à Kanté. Kanté qui frappe. Rencontré par un joueur de Toulouse. Je comprends pas en Sony dans ce match-là. Pas du tout. Et le corner qui a rien donné. La tête de Somalia. Somalia qui peut récupérer la balle qui peut. Ça aille à Onyeka, son carré. Repris par Falcao. Qui triple, qui peut frapper. Tielemans. Ronny Lopez, ça joue très bien pour les joueurs de Monaco. Oh là là, il y aura des buts. Je sens qu'il y aura des buts. Ça, c'est sûr qu'il y aura des buts. Et Tielemans. Extérieur du pied pour Barreca. Chadli. Chadli. Oh, pas le passe au fond derrière le but. Et c'est le premier but pour Monaco. Et c'est le but de Youri Tielemans. Et voilà, c'est le premier but de cette rencontre. Voilà les joueurs de Monaco, les supporters de Monaco. Ils sont présents, ils ont fait le voyage pour aller à Toulouse. Et voilà le but de Tielemans. Bien joué à lui. Et c'est le but de Youri Tielemans. Youri Tielemans. Youri Tielemans. Et voilà, c'est le premier but. Et ils sont chauds. Et c'est reparti. On espère plus de buts. Et je vous l'avais dit, ça sentait le but. Une des deux équipes. Je crois que c'était plus beaucoup Monaco. Regardez la mauvaise passe de joueur de Toulouse. Je sais pas ce qu'ils ont, qu'ils font. Mais vraiment, les Monaco sont dans le match. Mais pas Toulouse. S'ils se bougent pas, je crois que les murs des vestiaires vont trembler. Avec Falcao. Somalia. Amiens. Sangaré. Oh, la mauvaise passe. Ronny Lopez. Ronny Lopez qui passe à Colovin. Lopez. Lopez qui frappe et l'arrêt de René. Belle tentative de Ronny Lopez. On aura beaucoup de tirs dans ce match. Je le sens. Je le sens. Sidibé. Chadli. Falcao. Falcao qui centre. Ouh, ce serait une magnifique tête du joueur de Monaco. Où il y avait main. Mais il a sifflé. Il a sifflé la main de Aaron Ezeka. Tielemans qui s'en charge du coup franc. La tête. Non, repris par Gontier. Attention, Chadli. La frappe de Chadli. L'arrêt de René. C'est pas fini pour les Monégasques. Corner pour Monaco. Tielemans. La tête de Glick. Non. Repris par Jamerson. Repris par Falcao. Ah, le dégagement du joueur de Toulouse. Ezeka pour prendre la balle. Non, la tête. Kanthir. Golovin. Feinte. Bien joué à lui. Golovin. Il a tout le temps la balle. Qui dribble? Golovin. Ah, Golovin qui frappe! Et c'est encore René qui arrête ce ballon. Très bien joué à lui. Mais vraiment, les joueurs de Toulouse, ils sont. Je sais pas où ils sont, mais vraiment pas là-dedans. Pas dans le match. Oh là, ils font n'importe quoi. Peut-être Monaco sont très forts pour eux. Ils arrivent pas à les contrôler. Ronny Lopez. Colovin. Falcao. Falcao qui passe à Tielemans. Tielemans qui peut passer son doublé. Et c'est le doublé. C'est le doublé de Youri Tielemans. Et c'est le deuxième but de Youri Tielemans. Et il va le fêter avec les remplaçants de Monaco. Oh, c'est le doublé vraiment. Oh, mais je vous dis, mais qu'est-ce qu'ils sont chauds les Monégasques. Et ils veulent cette victoire. Tielemans, bien joué à lui. Voilà, le but, il le remontre. Voilà, il a juste à frapper. Et c'est le but pour Monaco. But de Youri Tielemans. Youri Tielemans. Youri Tielemans. Oh là là, le doublé de ce joueur. Très bien joué à lui. Avec Tielemans. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est ce joueur? Il est chaud ce joueur. Ronny Lopez. Oh, je crois qu'ils vont pas s'arrêter à deux buts. Hein. Avec Barreca. Amiens. Chop. Thurmaz. Sangaré.
Somalia, va sans profondeur, non, ça cradelle. Somalia, quand tu pars tout seul, Somalia, la douce vie, cradelle, Somalia, Somalia qui va passer à la fin, Zeka, tête de Somalia, c'est reparti pour les joueurs de Toulouse. Ils peuvent avoir une action encore qui passe à Mathieu de Séville. Pour jeu, je crois le contrôle de Kaka. Tchamaz. De Séville. Eh oui, c'est hors-jeu. Là, c'est hors-jeu. Fallait pas repasser au joueur. Faut que tu gardes la balle. Aaron. Tchamaz. Sur. Oh, Golovin. L'équipe. Oh, attention, peut-être un dernier but avant cette rencontre. La frappe! Oh, c'est le but! Oh là là, le but! Mais c'est quoi ce but? Avant la mi-temps, il nous lâche une frappe. Golovin. Mais cette frappe extraordinaire de Golovin. Oh là là, la frappe qu'il nous a lâchée. Il a fait toute la moitié de terrain. Oh là là, regarde cette frappe. Oh, Pololo. C'est quoi cette frappe de Alexandre Golovin? Pololo. Et c'est le but de Monaco, Alexandre Golovin. Alexandre Golovin. Alexandre Golovin. Spouloulou. C'est le but de Alexandre Golovin. Et Spouloulou. Il gagne 3-0 à Monaco. Spouloulou. Ils sont vraiment très chauds, les Monégasques. Spouloulou. Non, vraiment, c'est un match exceptionnel, les Monégasques. Mais Toulouse, je sais pas ce qu'ils font. Je vais le redire, je sais pas combien de fois, mais je sais pas ce qu'ils font. Moi j'ai cru qu'ils. Allez, peut-être pas qu'ils allaient prendre un troisième but. Qu'ils se prennent une tôle comme ça, mais vraiment, waouh. Là, les arbitres. Les entraîneurs vont parler aux joueurs. Vraiment, Leonardo Jardim, entraîneur de Monaco, doit les féliciter. Vraiment, c'est pas mal. Leur premier mi-temps. Mais vraiment, l'entraîneur de Toulouse, je crois qu'il va péter un câble. Je crois que les murs vont trembler. Même avant trembler, en tout cas, c'est. Non, mais je rigole, mais vraiment, ça va péter dans les vestiaires. J'espère pas, j'espère qu'ils leur parleront. J'espère qu'ils s'activeront plutôt pendant la deuxième mi-temps, qu'ils mettront même un ou deux buts. Et penalty. Ouais, mais après, faut pas mettre les mains dans le cul aussi. Hein. Vraiment. Voilà, le 3-0, ils sont très chauds. La frappe de Golovin était exceptionnelle. Très, très bien joué à lui. Bien joué à lui. J'espère qu'ils vont leur parler. Bah, ils vont, c'est normal qu'ils vont leur parler. J'espère qu'ils comprendront bien. Pout, pout. Ah, l'arbitre qui siffle la deuxième mi-temps. Et on est reparti pour la deuxième mi-temps. Et je vous dis, let's go les amis. Spouloulou. On est reparti pour la deuxième mi-temps de ce match. Spouloulou. Et c'est reparti. Spouloulou. Avec Sangaré. Ah, la re rentrée de Corentin Jean et la sortie de Somalia. C'est vrai que là, il a quand même fait un changement. Peut-être Corentin Jean peut renverser peut-être ce match. Peut-être. Ça va être le coup franc de Toulouse. Ça va tirer par Tchurmas. Et c'est le centre. La tête. Grand Cyr. Tielmans. Falcao. Falcao qui a pas encore marqué dans cette rencontre, le buteur. Oh, le tacle de Christophe Julien qui est dégueulasse. Oh, la feinte, bien joué à lui. Repréparer sa job. Puisque Christophe Julien et sa job, je sais pas pourquoi ils sont très bien débutés comme ça. C'est deux défenseurs qui sont bons. Mais je sais pas ce qu'ils ont fait. Non, vraiment, ils sont pas dans le match. Tielemans. Golovin. Golovin qui peut frapper. Golovin qui frappe! Eh, c'est le corner. Ouh, la sortie de Mona. Le Falcao quand même. Ah ouais, carrément. Sur Falcao, toi. Je crois. Et la rentrée de Jovicic. Un Pellegrini. Sur le corner de Monaco. La tête. Ah, le dégagement. Non, pourquoi la sortie de Falcao? Bizarre ça. Et bon, c'est. Bon, ce jour-là. Quentin Jean qui peut passer à Gratel, Gratel qui peut frapper, Gratel qui frappe! Mais c'est quoi cette frappe? Mais cadre-moi ça!
Et l'entrée du Jumbo Stock là, sortie de Iwam Sangaré. Et la sortie de Grand Ciel à rentrée de Kelta Palte. Non mais vraiment, c'est quoi cette frappe de... On va le dire de merde, Radel. Qu'est-ce que tu m'as fait? Tu perds 3-0, tu rates une frappe que tu pouvais la mettre. Aizeka. Ah, la mauvaise passe. Chelmans. Aizeka. Passe en premier pour Gradel. Concentre-toi, mon ami. Super. Oui, quand même, c'est pas une frappe. Et l'arrêt de bug de Naglio. Et la rentrée de Gain Boula. Gianni Boula. Et la sortie de Jamie Tourmaz. Attention, le corner. La tête. Allez, peut-être un petit but de Toulouse. Postoc. Boula. Jean. Oui, Jean qui peut frapper. Mais c'est quoi cette frappe de tapette là? Frappe-moi ça. Non, mais j'aime bien avoir des buts. Putain, je joue pas des passes de tapette, moi. Aaron. C'est quoi de... Oh, t'as vu la passe, tu l'as fait. T'es merdique. Golovin. Chadli. Pellegri. Chadli. Chadli qui garde bien ce ballon. Et Golovin. Sidibé. Sidibé qui frappe. Bien joué à lui. Très très bien joué au défense en droit. Tu champion du monde, Spoloulou. C'est le champion du monde, hein. Amiens. Postoc. Corentin Jean. Avec Gradel. Oui, Gradel qui. Non, qui réussit pas à reprendre ce ballon et s'y mettre. Le dégagement de Benaglio. Avec Monsieur Glick qui passe un long ballon pour Kelta Balé. Mais moi je sais pas si. T'es ton remplaçant, tu voulais le faire, je sais pas ce que tu voulais faire. Bostock. Gradel. Attends, attends, t'es tranquille, t'es tranquille. Gradel. Ouais, magnifique, super. Le centre. La tête. La tête de Tosévi repris par Amiens. Amiens, tu peux centrer. Centré d'Osevi, oui, d'Osevi qui garde la balle là, la frappe de Ezeka, la sortie de Benaglio. Ou les Toulouse qui se réveillent 15 minutes avant, 5 minutes, 10 minutes. On bien joué, Ingboula, Ingboula qui frappe, mais contre pas le joueur de Monaco. Tielmans, Pellegrini. Aeon Aizeka qui rate le ballon. Chimboula, comment t'as genre. Les Monaco sont refermés là. Ils ont dû être 3-0, c'est bon, je vais laisser le score là. Je peux plus mettre de but. De but. Avec Dosevi, ouais, Dosevi, magnifique dribble qui passe à Aizeka. Aizeka qui peut frapper. Aizeka qui frappe. Oh, la frappe de magnifique de Aizeka là. Sortie de Penaglio. Allez, ça sent le but de Toulouse. Plaisir aux supporters de Toulouse. Mboula. Mboula. Frappe, t'as une frappe exceptionnelle, toi. Oh, la frappe. La frappe qui va juste à côté des cages. Rien joué à lui. Tielmans, Pellegrini. Et... c'est le hors-jeu. Ouais, je crois pas qu'ils vont revenir vraiment. Ça sent peut-être la victoire pour Monaco. Ils ont fait très mal en première période. Ah, ça c'est vrai. Tielmans. Rapin. Rapin, il est rentré. Ah, je l'ai pas eu. Je l'ai pas eu. Apin. Sidibé. C'est qui accélère, qui passe à Apin. Allez, joue tranquillement les monégasques. Ils savent qu'ils sont tranquilles. Ça va s'y faire. Et c'est la fin du match. Victoire pour l'AS Monaco. Voilà, et on porte la victoire pour l'AS Monaco.
Je vais vous montrer les trois buts de cette rencontre. Golovin est là. Tielemans qui frappe. Juste à plat du pied, frappe. Gradel ne l'a pas fait. Faut qu'il passe. Tielemans qui frappe aussi. Et le but de Golovin qui est exceptionnel. Voilà. Elle est magnifique. Trois buts exceptionnels. Mantoulou, j'espère qu'ils font. Ils feront beaucoup mieux pour le prochain match. J'espère pour eux. Vraiment, c'est la fin de la vidéo. Fin du match. Fin de la vidéo. Victoire. Fin de la vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker. Pause bleu. Lâche pause bleu. Même si t'as pas aimé la vidéo, tu lâches pouce bleu. Chaque vue que tu regardes, chaque vidéo que tu regardes sur ma chaîne YouTube, tu mets un like. Et si c'est pas encore fait, tu t'abonnes et t'actives la cloche de notification. Tu seras informé de toutes mes prochaines vidéos de football qui vont sortir. Et il y aura du jour qui vont sortir. Moi je vous dis, n'hésitez pas à vous abonner, c'est le moment. Et n'hésitez pas à mettre un petit commentaire dans cette vidéo. Super John Football, tu sais, t'es un très bon commentateur. Des choses comme ça, voilà. Ça me ferait extrêmement plaisir. Moi, je veux plaisir en match. Moi, ça me ferait plaisir que vous mettez des commentaires. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Les amis, je vous dis ciao, ciao. Spouloulou, c'est la victoire de l'AS Monaco 3-0. Spouloulou, Tielemans a mis à doubler. Non, je rigole. Bon, allez, ciao, ciao.